Hey yo les gars, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la ferme des Roms. Alors aujourd'hui je serai tout seul dans l'épisode puisqu'on n'a pas pu se trouver avec Rome. Il avait pas mal de choses à faire de son côté, mais c'est pas grave, vous allez voir, aujourd'hui on va faire de l'épandage de fumier, on va terminer la parcelle qu'on a commencée à la fin du live. On va aller ensuite déchaumer la parcelle avec le 8R de 310. Et puis ensuite on ira aider le poteau Rome, l'ETA Rome Casa, à commencer la dernière parcelle qu'il a pour son client. On ira détourer ça ensemble. Et allez, on se retrouve juste après l'intro de la série. A tout de suite les amis! Et on se retrouve donc en game avec le Fendt 818 et l'épandeur maître Vulcan, voilà, que le poteau Rome nous a prêté. Voilà, j'ai été le chercher donc à l'ETA Rome Casa, puisque j'en ai pas sur les exploitations. Donc on va finir d'épandre notre fumier sur la parcelle, comme on avait déjà commencé en live vendredi soir. D'ailleurs, un grand merci pour tous ceux qui étaient présents sur le live. Voilà, ça a fait super plaisir d'avoir passé 2 heures, un peu plus de 2 heures ensemble. On a bien rigolé, puis ça nous a permis aussi d'avancer un peu dans nos travaux. Donc on va finir d'épandre ça ensemble. Allez, on remonte dans le 818. Voilà, l'ensemble est top. Et vous allez voir, j'avais jamais remarqué, je sais pas si vous avez vu ça, mais quand je vais ouvrir la porte, voyez, on a les feux qui se replient sur le côté. C'est stylé, je trouve. Allez, on va finir ça ensemble. Je vais remettre le GPS et on est parti. Voilà. Bon, il nous reste pas grand chose. Une, deux, allez, trois, je pense encore trois passages. Et puis il restera les fourrières à faire ensuite. Et donc comme ça, on aura fini d'épandre notre fumier sur cette parcelle. Et ce qu'on fera après, je pense qu'on pourra commencer à déchaumer ensemble. Alors je sais pas ce qu'on remettra derrière, j'ai encore pas choisi, on verra bien. En tout cas, ravi de vous retrouver. Donc dans cet épisode, je serai tout seul parce qu'avec le poteau Rome, on s'est malheureusement pas trouvé. Voilà, il a aussi ses activités de son côté. Et du coup, on n'avait pas les mêmes heures pour se retrouver ensemble. Donc du coup, je profite voilà, de cette fin d'après-midi pour vous tourner ça pour ce matin, ce dimanche matin. Voilà, donc ça va être un petit épisode de 20 à 25 minutes, je pense, voilà, de mon côté. Et puis ce qu'on pourra faire, c'est peut-être aussi aller commencer sa parcelle. Là, lui reste un contrat. Peut-être que j'irai l'aider à commencer sa parcelle pour finir son troisième contrat d'épandage. En tout cas, il est stylé, hein, cet épandeur maître là. Donc là, on est bon. Donc je pense qu'il faut que je reprenne. Faut que je reprenne par là. Du coup, je vais reprendre là sur le côté. Un peu. Donc là, j'ai repassé un coup de charrue dans le live. Je voulais reprolonger un petit peu plus ma parcelle. Allez, on va donner un coup comme ça. Voilà, hop. On va faire la fourrière. Donc du coup, j'ai plus rien sur la plateforme. Il va falloir qu'on aille en racheter. Donc on va aller en rechercher justement. Voilà, à l'endroit où j'ai placé un dépôt. J'en dépends un petit peu chez le voisin. Voilà, j'ai pas mis le GPS parce que sinon ça va me faire tirer plus sur la gauche. Donc là c'est tout, c'est histoire de. Voilà, mais j'ai plus rien, là je suis à 0%. Tac. Bon, on va refermer ça. Et donc du coup, on va aller en rechercher. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Que votre week-end se passe bien, ce n'est donc week-end de 3 jours. Donc ça va faire du bien. En plus, il y a un superbe temps. Donc c'est super agréable. Enfin le beau temps, j'allais dire. Et puis il n'y a pas trop de vent. Vous allez voir, on va aller rechercher, on va aller refaire un épandeur. On va aller recharger l'épandeur, donc directement
là où j'ai mis la plateforme. Voilà, on va tourner ici. Voilà. Attends, toi je vais te laisser passer bien sûr. Parce que tu vas m'embêter. Voilà. Allez les gars, allez, 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 on avance. Allez. Ah, circulation. Hein. Allez, avancez. Oh là là. Laisser passer ça. Du coup, je vais reculer un peu, ça va, il n'y avait pas trop de monde derrière moi. Et on va, donc on va ici. Voilà. Et on va se refaire un épandeur. Voilà, j'avais mis un dépôt ici, donc ce qui est bien, c'est quand on en a plus sur la fumière. Hop. On peut venir en chercher ici, hop. Donc du coup, on en profite. Allez, on démarre ce petit liébert. C'est vrai que vous l'avez pas beaucoup vu, ce petit liébert, donc... Alors normalement, faut pas trop s'approcher. Voilà, ouais, à peu près à cette distance-là, on a un godet de 4000 litres, donc autant vous dire que voilà, ça va être en 5 coups, je pense qu'on sera plein. Ça tangue un peu, j'aurais peut-être pas du bruit tout de suite. Voilà. Il est stylé aussi ce liébert. Ça, c'est vrai que je crois que depuis que j'ai placé ce point de vente là, de fumier, je crois que je voulais peut-être montrer une fois. Mais voilà, donc ça permet de voilà, vous montrer un peu des choses un peu différentes aussi dans les épisodes. Concentré sur ce que je fais. Oh, je le fais exprès? Non mais c'est dingue. Alors autant j'ai chargé l'autre fois, voilà, je sens rien toucher. Là, il faut que ça soit en... dans un épisode, faut que je touche. C'est fou ça. On sera vite plein. Je pense que j'aurai suffisamment pour terminer la parcelle du coup là. Que j'abîme quand même les pendeurs du poteau, sinon il va pas être content si je lui rends abîmé, si je lui ai plié les ridelles là, je pense que je vais l'entendre. Bon, ça va, pas trop de dégâts, c'est nickel, c'est passé. N'empêche que ouais, j'ai bien fait de vendre la paille pendant le live, parce que ça nous a permis de revoir un petit peu de trésorerie et de pouvoir justement aller rechercher un épandeur de fumier pour compléter notre parcelle, puisque j'avais vidé la fumière à la ferme complètement. Je pense qu'on est bon là, les amis. D'ailleurs, si pour ceux qui n'ont pas vu le petit live, le live de vendredi là, je vous remettrai un petit là en haut de l'épisode pour ceux qui voudraient aller le voir, le checker. Allez.
on est parti. Allez, on va finir d'aller prendre ça. En tout cas, on l'utilise depuis qu'on l'a, ce 818. Il a déjà 6 heures. Donc, il est pas mal utilisé sur, sur l'exploitation. Donc, on le rentabilise bien. On se retrouve donc dans le 8R310. Donc on est au déchômage, ça y est, j'ai déjà entamé un peu la parcelle de mon côté. Donc on déchaume avec l'Amazon. Voilà, des chômeurs de 6 mètres. Il y a pas mal de poussière. Mais bon, ça se fait bien. Donc j'ai fini de mon côté donc d'épandre le fumier, donc ça c'est parfait, la parcelle sera déjà en partie fertilisée pour la prochaine culture, donc ça c'est top. Donc on va faire un petit peu de déchômage ensemble et puis je pense qu'on terminera par faire le détourage de la parcelle de Rome là pour son client. Comme ça, ça l'avancera un petit peu de son côté. Et puis ça fera déjà un épisode je pense assez top. C'est un outil qui font du très bon travail à l'Amazon là, franchement je regrette pas, même si le cockerling était déjà top hein, au niveau du matériel. Ce qu'on avait au début, c'était notre problème des chômeurs, mais ouais, l'Amazon il est quand même stylé hein. Allez, hop, c'est parti les gars. J'ai mis, on travaille avec le GPS, c'est quand même beaucoup plus pratique. Il est quand même stylé, hein, celui-là. Voilà. Pareil, il a 6h, 6h60, c'est déjà pas mal. Hein. Il nous a fait quand même pas mal d'heures déjà. Bon, après, on le met beaucoup donc on a les travaux un peu comme ça, des chômages, tout ce qui est un peu outils à dents ou. Permet quand même d'avoir de la puissance sur la surface à travailler, c'est important. Allez, on est à 15 km/h, voilà, il l'emmène quand même bien et ça fait du très bon travail. Le soleil couchant là, c'est sympa. On fait ce retour et puis moi après je continuerai de mon côté, il restera pas grand chose à faire. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va se retrouver donc chez Rome à l'ETA pour lui démarrer au moins sa parcelle. On va lui faire le détourage pour son client, comme ça ça l'aura un petit peu avancé. Et puis si à l'occasion il veut revenir sur la partie de son côté, voilà, ça lui permettra de terminer. Du coup, comme ça on n'est pas trop tard dans le jeu, et puis donc on est dernière quinzaine de juin, donc il pourra terminer son contrat comme ça tranquillement. N'oubliez pas, si ça vous plaît les amis, de liker, de partager, voilà, c'est super important. Voilà, la chaîne de semaine en semaine ne cesse de progresser au niveau des abonnés, donc un grand merci à vous tous, ça fait super plaisir.
Et voilà, je pense que là, d'ici la fin de semaine prochaine, on devrait atteindre les 1400, donc c'est assez top. Et puis aussi un grand merci pour tous les retours sur la série, voilà, que ce soit sur l'insta de la série, que ce soit en live, enfin bref, ça fait vraiment plaisir. Bon bah les amis, moi je continuerai ça de mon côté, et puis ce qu'on va faire, on va aller se retrouver maintenant, on va aller chez Rome, à l'ETA Rome Casa, pour donc lui préparer la dernière parcelle qu'il a pour un client. Voilà, au moins lui faire son détourage. Allez, à tout de suite les amis. Allez, je vous reprends ici, voilà, j'ai déjà démarré un petit peu le détourage, donc on va faire ça ensemble. Putain, ouais, ça passe, c'est des jouets de la ligne électrique, mais bon, ça va, on passe. Donc on va détourer sa parcelle au poteau pour qu'il puisse, voilà, comme ça on l'aura déjà un peu avancé, puis ça permet de profiter encore de sa jolie Lexion 650 là qui nous est prêtée, donc qui lui est prêtée par le concessionnaire classe. Voilà, le temps qu'il ait sa nouvelle machine. On se lasse pas des sons de cette machine, hein. Très franchement, ouais. Ça là-dessus, rien à dire, c'est super stylé, c'est hyper agréable de l'utiliser, franchement, rien à dire comme on disait en live. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de matériel sur le jeu. Voilà, je vais déjà plein. On va remettre l'ATH à 83%. Ça va être chaud. Ce qu'on va faire, hop, on va relever la barre de coupe ici. Il y a du rendement, hein. Faire un peu de marche arrière. Chercher le fait, puis on va glisser par là, hop, d'ailleurs il faudra qu'on redescende le 824, je crois qu'il est resté à la parcelle, à la dernière parcelle, hop. On va le mettre par là. Hop, voilà. Voilà. Et on va remonter dans la Lexion. Et on peut mettre ça en route. Et c'est vrai qu'on a remarqué ça avec le poteau, c'est donc on est dans la troisième saison des moissons, et plus on avance dans les saisons, les parcelles qu'on a comme ça en contrat, ben souvent elles sont fertilisées à 100%, donc ça c'est top. Donc il y a du rendement, et du coup je pense que ça joue aussi sur les prix des contrats. Allez, on va finir de détourer ça, et puis on se quittera sur ça les amis. Un épisode assez sympathique, je pense.
une bonne parcelle aussi là. C'est pour ça que la coupe de 10m80, c'est pas trop, hein. Juste ce qu'il faut. C'est parfait. Je pense qu'il devrait rester comme ça d'ailleurs après. Bon, ça sera plus une 600, mais il passera, je pense, je crois que c'est dans les 700, dans le modèle 700 qu'il va sûrement avoir derrière. Donc voilà. Mais la barre de coupe, je pense qu'il va la laisser comme ça en 10-80. Donc, il a pas mal de clients à faire aussi. Donc, ça fait quand même du travail, donc ça dépote pas mal. Je vous fais une petite coupe ici, puis on se retrouve quand je suis en haut de la parcelle. Allez, tout de suite. Et ben, je vous reprends là, on arrive au bout, j'aurais fait son détourage, et en plus on est déjà à 94%, donc la trémie va être encore pleine. Donc il y a encore un rendement de ouf dans la parcelle du client là. Allez, voilà. Les amis, ben on va se quitter ici, hein, voilà, ça fera déjà un bon petit épisode. Voilà les amis, ben écoutez, on va s'arrêter ici, n'hésitez pas à liker, à partager, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très vite, ben, pour de nouvelles aventures sur la ferme des Roms, vendredi prochain en live 20h30. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche, profitez bien du beau temps, voilà, ça fait plaisir. Et puis ben voilà, à très bientôt. Allez, ciao les amis !